Ouais. Ouais. Bah, je suis... Bah, maintenant c'est à mon tour, il veut plus passer celui-là de la... Ouais, je joue debout. La terre enchantée quoi. Ah oui, effectivement, tu t'es mangé le drapeau et t'es tombé quoi, direct. Allez, non, elle va pas te faire foutre. Je vais racheter ton drapeau. T'es encore tombé? Non, ouais, là il est passé à travers le mur. C'était sur rigolo. Ok. Elle va te faire foutre. J'ai gagné. J'ai pas vu. Abandon et... Si le mec fait jamais de race quoi. Pour ça, je regarde, y'en a pas. Non. Oh. De toute façon, je sais pas, ils sont pas dans le jeu. Ouais, ils disent à quoi ça sert de speedrun de toute façon. Yeah! Rien à foutre! Il me casse les couilles ce jeu. Ah bon? Moi je fais cheat, complete level. Voilà. Ah merde! LOL! Avec les cheats, quand tu fais complete level les terres enchantées, t'arrives dans la fourmilière. Oh mon dieu quoi! C'est normal. La fourmilière! Ah non, mais là, là il carrié, franchement. Je sais plus. Ah, la fée Gérard. Bah, tu sais bien, les fées là dans la fourmilière, elles ont des. Ouais, ah, les fées dégueu là. Ouais, elles ont une voix. Salut, je suis une fée. Mais surtout dans Medieval Resurrection, tu vois bien que c'est des gros lards quoi. Des... Oh. Hey, je suis une fée quoi. Ah et d'ailleurs la musique dans la première, on a pas commencé une musique de Resident Evil, c'est tellement une bande. La fourmilière les chiens. C'est que tu sais jamais où. Bah, c'est un labyrinthe, hein. C'est une fourmilière. Voilà. Tu sais pas où. Tu sais non, pas où. Surtout en plus si là, il faut ramasser les... Voilà. Oui, il faut libérer les fées et en plus il faut récupérer les trucs de miel ou je sais pas quoi. Des bouts d'ambre, des trucs comme ça. Ouais, bouts d'ambre, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont ça dans les feux des fourmilières. Les bouteilles, je sais pas. Ah. Te fait envahir par les fourmis aussi là. Non, ouais, des bulles font pas de mal jusqu'à que tu pètes les larves. Ouais, et puis la reine elle est tellement casse-couille aussi à battre. Hein. C'est comme les légumes. Petit rond. Les légumes. Bon, on va aller par là alors. On peut aller en baisse. Aïe. Le champignon qui fait mal. Ce jeu, ça suffit pour ce soir. Exit. Moi, je crois que c'est le dernier run. C'est pas placé. Je crois qu'on est tous blasés. Même Crash là, s'il revit là, il veut plus s'y remettre. En même temps, t'as vu le run qu'il fait, il se dit c'est pas mal, je suis pété. Oh merde, bah, on revient pas comme ça, hein. Ah, ça veut dire quoi ça? Oh putain, j'ai fait tomber dans la bave. Allez, combo. C'est où la roue? Allez, encore une. Allez, troisième. Oh putain, mais c'est fermé. Oh, ah. Non. Ah.
C'est pas tout de suite qu'on arrive là, du coup je vais revenir en arrière. Ouais, Capilla. Ouais. Je ne peux point y aller. Quel sens la map là, qu'est-ce qui se passe? Un peu galère à contrôler tout ça là. Dès que t'arrêtes ton run, tu me rappelles qu'il faut qu'on compare nos live split et qu'on voit les paramètres classiques et tout. Live split, il est là, ok. Bon, 9-22, c'est pas ça. Allez, garce. L'autre il joue sur quoi? Ça, l'autre. L'autre connard, c'est-à-dire moi? Je sais pas. Je sais pas comment il s'appelle.
Si tu parles de moi, c'est Cladol et je joue sur PSXE alors que lui joue sur PSXE tout simplement. PSX, pas de. Je sais pas s'il parlait de l'émulateur ou du jeu. Je sais pas. Ah, il parlait peut-être de Benzine aussi qui joue à Metroid Prime sur sa chaîne. Je ne suis pas. T'as raison. Pourquoi Dan tu fais ça? Pourquoi tu fais fatigué surtout. Configuré. Alors. Résolution 800 color 32 bits. Compatibilité. Off-screen drawing 2 standard, ok. FPS limit. Ah, ça, si tu mets pas, si tu mets à descendre par exemple, tu meurs pas vite. Non, mais il y a aussi un auto-détect FPS frame skipping limit. Ah. Ah, je sais pas si j'y ai une. Oh putain, elle est bestie, c'est mieux le laisser pas sur le PSX. PSXE, attention. Ouais, ouais, j'ai ça moi, avec les. Alpha Multipass. Tu dis quel plugin? Non, c'est pas pareil. Beats PSX D3D. C'est pas du tout pareil. J'ai l'OpenGL, donc les réglages sont sensiblement les mêmes. D3D. Mais ça, quand tu fais les configurations, ils te disent en fonction de quel type de carte graphique que tu as, il y a des plugins qui sont mieux que d'autres. Pas forcément, en fait, le fait d'avoir une carte graphique. Ouais, j'ai fait ce qui a marqué sur le logiciel. Après. Ouais, mais. Je pense que les plugins, surtout le logiciel, il est loin d'être récent, il est loin d'être fait pour utiliser le temps d'un PC actuel. Tu veux vraiment utiliser ta carte graphique, il faut que tu utilises. Attends, dans le D3D, je sais pas. Attends, je regarde si j'ai le D3D. Non, je l'ai pas. J'ai que l'OpenGL version 2.9, ça doit certainement pas être le dernier. Tu peux utiliser ce qu'ils appellent le 2.9. OpenGL Driver 2.9? Ouais, OpenGL 2 Driver 2.9, bien sûr. Ah, non, je t'as le frame skipping enclenché. Bah, tu l'as peut-être pas mis à jour, parce que tu peux aller le mettre à jour. Il est censé se mettre à jour automatiquement sur Home Station. Frame skipping, tu l'as enclenché ou pas? Attends. Frame skipping, non, il est pas enclenché. Eh bah, parce que moi, c'est pas vraiment pareil. J'ai pris des heures à l'interpolation. Ce que je te propose, si tu veux, je compresse mon archive. Je te dis combien elle fait, et si tu veux, après, je te l'envoie par Skype. Non, c'est bon. Bah, de toute façon, je m'en fous, j'utilise le PITS et pas OpenGL. Ah oui, mais c'est le PITS OpenGL. Quoi? Non, c'est PITS D3D. Bah, il existe également un PITS OpenGL. Oui. Et le D3D, c'est ceux qui disaient que c'était mieux pour les Radeon. J'ai de fort doute. Fort doute, l'OpenGL est compatible avec toutes les cartes. Il n'y a pas une carte qui fera tourner mieux que l'autre. La différence c'est que t'as des cartes qui vont gérer certaines extensions et pas d'autres. Et je trouve très sincèrement que les extensions de Tivar fassent une grosse différence dans l'émulation. Après c'est mon avis hein. À toi de penser ce que tu veux dessus mais... J'ai en 2.7 si je retrouve le readme. Hop, version 2.9.txt. D'ailleurs elle apparaît comme 2.9 dans l'émulateur mais c'est la 2.09. Ouais, t'as arrêté. Ah bah, je te vois relancer le jeu. Non, j'ai raté le stream. Ah merde, j'ai raté. Attends, j'ai plus la banque. Alors tu vois déjà la 2.09, ils disent qu'elle est optimisée pour les GeForce 6008. Tu te rends compte?
Plus force 6000, ça date de 2005. C'est pas optimisé pour les Radeon, je pense que de tout le temps, ça a plus que changé. T'as changé quoi, le plugin? Bah j'avais mis juste de base pour qu'il puisse réparer le coup des du menu là qui buguait. J'ai modifié juste un truc et ça a marché. Moi par exemple quand je regarde mes réglages, bon je suis en mode fenêtre en 800x600. Sur la... j'ai activé les scanlines de la télé d'avant. Ouais bon. Immersion totale. Je peux faire croire que c'est la console. Tu as ta config ou pas là? Si tu me fais dire la mienne. Ah, attends. Ouais, si ça te donne un meilleur rendu ou pas. Non, non. Sachant qu'il y a un truc que tu pourras peut-être pas mettre, parce que moi j'utilise un filtre OpenGL optimisé. Et un. En direct 3D, je sais pas si ça existe, mais. Bon, c'est pour lisser, c'est pour appliquer une espèce d'anti-aliasing particulier. Faudrait que je lance un jeu en fait pour voir vraiment ce que ça fait, parce que j'ai plus trop de souvenirs. Ah, c'est ça que je voulais voir aussi. Ah. Brascas, pour PSX, quand tu configures le gamepad, est-ce que t'as un choix de plusieurs manettes? Configuration. Oui. Normalement, oui, c'est dans le truc par du coup, tu l'as. Ouais. Demande à Brescas. Non mais quand tu configures une manette, est-ce que t'as la fenêtre avec la manette qui apparaît? Non. Et est-ce qu'il te demande de choisir un modèle de manette? Oui, je peux choisir. Non. Ah oui. Moi oui. En fait, Brescas, quand tu fais... Regarde si tu peux faire config. Non mais lui, je vous rappelle qu'il est sur PSX. Ah putain, c'est vrai. C'est pour ça qu'on compare. On compare parce qu'il y a des temps, justement les fameux temps qui ont l'air écartés de 20 secondes alors qu'il n'y a qu'un changement. Et là, surtout pour voir aussi pourquoi l'analogue déconne chez moi alors que lui, il n'y a pas de souci. Toi, quand tu, Brascas, quand tu fais vraiment le tour avec le joystick, que tu fais l'extrémité, que tu fais tout le tour, Dan, il s'arrête pas de courir. Même si tu vas doucement. Je vais doucement, il s'arrête pas de courir. Et il y a tout qui fonctionnait comme si c'était sur une PS1. Alors peut-être parce qu'il a configuré l'analogique pour marcher comme un digital. Bah là, tu sais que la manette elle est actuellement sur le modèle SCPH 1200. Moi j'ai SCPH 1150 dual analogue. Ouais, bah il y a aussi le dual shock et t'as juste en fait les manches de la manette qui sont réduites. Après, si tu veux t'amuser, tu peux mettre le neckcon. SLEH3 et SLEH7. Attends, je vais faire un truc, je vais tester le G6. Wow, le Nekon Digital, effectivement. Je vais essayer avec le dual analog, voir si ça change quelque chose. Après, Kadal, je te ferai faire un test. Full square. Ah, attends, on peut choisir des trucs dans les axes. Ah oui. Full square, négatif ou positif. Est-ce que ça joue, ça? Normalement, t'es censé faire haut. Normalement, tu es censé laisser sur full. Ouais, sur full square. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, le full, il va détecter négatif et positif. En fait, quand tu bouges ton axe, par défaut, il est à 0. Quand tu, admettons, tu bouges à gauche, il va être à moins 128. Tu bouges à droite, il va être à plus 128. Du coup, si tu le laisses pas en full, si tu mets en négatif, par exemple, il va détecter que de moins 128 à 0, donc tu pourras aller qu'à gauche. Il va considérer que quand t'es au centre, en fait, tu vas à droite. Tu prends que le positif, c'est l'inverse, il va faire de 0 à 128. Ouais, donc c'est pas ça qui va jouer, merde. Voilà, c'est pas ça qui va jouer. Je vais te faire un autre test du coup pour voir si ta manette est bien calibrée. Va voir dans le panneau de configuration. De la manette Xbox? De la manette Xbox ou de Windows? Non, de Windows. Panneau de configuration, que je retrouve où c'est. C'est rigolo, normalement je suis censé appuyer sur le bouton de Microsoft au milieu et il est censé afficher un menu sur l'ordi. Ah non, pas pour moi. Bah moi la dernière fois que sur l'autre PC quand je l'avais installé la manette il me disait qu'il y avait un menu pour activer. Ah, t'as le pilote officiel de la manette? Bah normalement oui, c'est détecté automatiquement et c'est installé automatiquement.
Ah non, il s'est peut-être pas installé, mais. Ah non, moi j'ai. Tu as un CD, hein, tu as un CD normalement avec. Bref. Ah oui, peut-être. On va déjà regarder si t'as pas une zone mal configurée dans la manette. Donc tu es dans fin de configuration. Oui, alors périphérique, ils sont où? T'es imprimante. Normalement ta manette elle apparaît en dessous, sur la ligne périphérique. Non, c'est pas le gestionnaire de. Ok. Non, c'est pas le gestionnaire des périphériques. C'est périphérique et imprimante, il s'appelle dans Windows 7. Ah, c'est bon, il est là. Tu fais dessus, tu fais contrôleur. Clic droit. Paramètres et contrôle. C'est ça. Ensuite, tu cliques sur propriété. Et une fois que tu as cliqué sur propriété, dans la fenêtre qui apparaît, tu bouges ton stick et tu regardes si la zone elle fait un rond bien parfait et qu'à chaque extrémité, c'est-à-dire au bas, gauche, droite, que tu touches bien le carré ou. Attends. Il y a un truc qui me soulève le PC, c'est déjà il vient de planter et en plus je peux pas utiliser mon live split. Si si, moi j'irai très bien. Moi il veut pas. Et votre icône de PC quand vous lancez c'est quoi? Comment ça l'icône? L'icône, tu sais, qui s'affiche la fenêtre. C'est une manette? Ah, bah EPSX 1.9.0. Ah, mais je veux dire, c'est quoi? C'est y a, c'est comme Google Chrome, t'as un petit icône. Ah, c'est une manette de play, Bah, moi j'ai rien affiché. Tu lances le bon. Bah, je lance le bon. Ah, c'est vrai que. J'en ai plusieurs aussi, putain, je sais pas. C'est 6. Avec ce Z, il est sur les triggers, ouais. T'as fait le test que je t'ai dit, Kala? Ouais, ouais, mais j'arrive pas à voir si tu vois. Comment, qu'est-ce que tu considères toucher le carré? C'est vraiment l'extrémité de la croix qui touche ou le centre? En théorie, c'est l'extrémité de la croix. Dans mon cas, moi, j'ai l'extrémité de la croix. Putain, j'ai l'impression qu'il est vachement dur, en fait, le stick. Parce qu'en général, quand je ferme le PSX, complètement fermé. Non, c'est parce qu'il faut faire échappe avant de le fermer. Gestionnaire de tâches. Ça me le faisait avant, mais j'ai compris. Mais tu le lances avec Home Session ou directement dans l'icône? Directement dans les deux, dossiers. Ouais, bah normalement quand tu fais ça, quand t'as lancé un jeu après avec, il faut pas directement fermer la fenêtre. Il faut faire échappe en et fichier quitté. Tout à fait, sinon il reste lancé dans le gestionnaire de tâches. Ouais, bah c'est ce qu'il fait. J'ai l'impression de décrire quand même un cercle quoi, mais j'ai l'impression qu'il manque genre un millimètre quoi pour que tu touches vraiment le. Alors, si tu peux regarder, attends, je retourne dans le menu du coup, parce que comme un con je vais fermer. Tu as trois barres de mémoire à côté. Vérifie que quand tu touches ça, elle reste bien stable les barres. Je retourne. Après, si tu décris un cercle, ça peut être un souci aussi de. Paramètres avec l'émulateur, je vais faire un test de mon côté, je vais te dire. Et par contre le joystick droit, waouh. Sensible. Ouais, ça fait bouger les barres. Ouais. Ouais. Chez moi il est pas parfaitement centré en plus le. Oui, il gigote un peu le. Moi j'ai la barre. L'axe XY. Ouais, l'axe X chez moi il dépasse un peu et l'axe Y du coup il est un peu en retrait. Ouais, mais tu vois quand tu titilles un peu le joystick, tu sens qu'il y a un jeu quoi. Ouais, aussi. Mais ouais, non, il a l'air d'écrire un cercle quoi, mais. Bon. Tu peux faire sinon. Pas regarder les données brutes. Ce que j'ai jamais fait moi, c'est les vibrations. Je suis toujours foutu de ça. Il faut relancer chaque fois le arm guide pour changer les plugins. Tiens. Ouais, non, annulé. Je voulais faire l'étalonnage, mais non, ça a l'air d'être bon en fait. Ouais, non, si ça décrit bien un cercle, ça vient pas de l'étalonnage. Essaie de jouer peut-être sur le. Ça. Pour le type de manette utilisée. On va voir. En théorie, moi j'ai le dual analogue, j'ai même pas le dual. Enfin, j'ai le dual shock, mais j'avais pris le dual analogue. Ouais, d'ailleurs. Ça marchait très bien. Hein. Après, c'est vrai que j'ai pas joué à Medieval. Essaye, hein, voir si. Je vais essayer avec le dual analogue, on va voir.
Pense à appuyer sur le bouton pour l'activer. Oui, oui, je sais, j'ai l'habitude même. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à utiliser mon. High speed. Bon. Est-ce que t'as les Global Outkeys d'activer au moins? Hein? Est-ce que les Global Outkeys sont activés? Oh oui. Clic droit, contrôle. Contrôle, Global Outkey. Namepad, hein. Global Outkey, oui. Activé. Désactivé for other farm. Hop, ok. Je fais ça, ça marche. Ça marche pas. Je coupe mon micro à 30 secondes. Non, ça va. Moi je vais laisser les scanlines sur l'écran comme si c'était une vraie télé cathodique, c'est rigolo. On va dire j'ai 2 secondes de retard. Les réglages du coup, Canal pour le. Pour le PS. Ah, ah merde, il a commencé bien là. Hein, il me fait le même coup. Ok, ça a l'air plus. Ça a l'air beaucoup mieux pour le placement avec le joystick. Ok, pourquoi tu bouges pas, Dan? Ok, je peux pas utiliser mes joysticks déjà. F5, appuie sur F5. Pour activer l'analogue. Ah ouais, ok. Là, déjà, j'ai du retard. Beaucoup de retard. Je peux absolument pas toucher un truc sans que je sois forcé de quitter mon screen. Ça, c'est un truc qui m'a fait ça. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas utilisé ça. Que tu l'as mis toujours au premier plan là ici. Normalement oui. Pour l'histoire des framerates, il suffit de cliquer, de cocher pardon, use FPS limit et auto detect FPS frame skipping limit. Oh moi c'est déjà fait. Ouais, après use frame skipping je l'ai pas coché. Et du coup bah, le FPS limit il est à 200 mais il est pas coché donc ça a pas d'incidence parce qu'il va se baser en fait sur la région du jeu pour se caler au niveau du nombre de frames par seconde. Après au niveau résolution, donc pour tout ce qui est résolution et couleur, le premier encadré j'ai mis 1100. Attends, je suis en train de faire un test là. C'est vrai qu'il a l'air de mieux courir quand même avec de l'analogue mais... Là, il a quand même ses moments où il s'arrête pour marcher. Peut-être au niveau de la diagonale parce que... Oui, la diagonale. Comme il fait un rond, il doit envoyer pas 128 à droite et 128 à gauche. Il doit envoyer une partie... Ben, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comme il va pas à la pointe bah, comme du ça, carré... Comme ça, la diagonale, voilà, voilà. Il va pas faire le max. Bah, comme il va pas à la pointe du carré, il faudrait voir si tu peux baisser la sensibilité de la dead zone de l'émulateur. Je pense qu'on peut le faire. Ah, du coup, changer de kick exit, de relancer. Bon, du coup, texture, qu'est-ce que t'as? On peut pas régler la dead zone dans le. Est-ce que t'as texture? Ouais, attends, je ferme le truc de. Voilà, je reviens dans le truc. J'ai mis 6 pour le texture filter. Moi j'ai 0. Ouais, donc t'es en strict. Voilà, t'as aucun filtre. Le fait d'utiliser l'étendue et. Palette étendue et sprite un peu plus fluide, visuellement ça va pas t'apporter un plus. Non, mais surtout que là avec l'émulateur, il faut essayer au maximum de se rapprocher de la version console et pas de l'améliorer. Dans ce cas-là. Parce que le but c'est quand même d'émuler ce qui se passe réellement sur la console, parce que sinon ça n'a aucun intérêt et la version émulateur sera toujours plus rapide ou plus fluide ou plus tout ce que tu veux. Ok, coup, ça va créer des différences. Je vois ce que tu veux dire. Donc dans le. Bah du coup texture tu le laisses à 0. Ouais. Le IRS texture si tu l'as, tu le laisses aussi à 0. Il est à 0. Ça a l'air d'être pareil, hein. Je viens de tester. Niveau. Comment ça s'appelle ? Autodétection de la quantité de mémoire de la carte graphique, voilà, tu laisses à 0. Texture quality. Texture quality, je ne l'ai pas. Ah, parce que moi du coup j'ai Don't Care Use Drivers Default Texture. J'ai RG, R4, G4, B4, A4. Ah oui, oh là, c'est l'ancienne.
Je vois ce que tu veux dire, je l'avais vu il y a longtemps. Attends, je vais voir pour changer du coup de... Eh non, j'ai pas d'autre... Et justement, je crois que c'était ça la texture quality qui était sur Don't Care. Et du coup ça faisait le glitch bizarre au début du menu. Et du coup j'ai mis R4, G4, B4, A4. Et là par contre ça le faisait plus. Oui, parce que tu forces du coup le... les couleurs en 16 bits. Donc si ton plugin n'est pas capable de gérer la... correctement la transparence, t'affiches des... à ce niveau là essaie de le remettre à 8 pour voir si tu peux si le bug est toujours là à 8. Oui, normalement tu peux le mettre à 8. Ah, R8 G8 B8 à 8, voilà. Best color more RAM needed. Ok, d'ailleurs color depth j'ai mis 32 bits. Ouais, parce que si tu laisses en 16 après tu affiches pas la peine. Show FPS display, non. Non, c'est pas la peine. Use FMS limit, où le detect et les deux en bas sont pas cochés. Off-screen, compatibility. Alors moi je l'ai mis en 2. Il est en 2 aussi. Bon, ça fait mettre... 2, 0, 0, 0. Moi. Tu peux le mettre sur 1, le premier. Missing screens, what? Okay. Bon, on va voir. Bah quand je le mets à 1, c'est minimum missing screens. Ah, moi j'ai 1, j'ai standard OK for most game pour le off-screen drawing. Ah bah moi c'est le 2 qui fait standard OK for most games. Bon, c'est pas les mêmes trucs. Quand même, ouais, c'est sur 2. Frame buffer effect, moi je l'ai mis sur 3, il émule tout et il peut causer des ralentissements, mais... Frame buffer, vraiment... t'as dit lequel, texture ou access? Chez moi il est au max. Il est à... Non mais lequel des deux, t'as dit? Ah, frame effect. Il n'y a pas effect. J'ai Advanced Blending, Frame Buffer Texture et Frame Buffer Access. Ah, pas les mêmes. Bah, dis-moi ce que t'as. Off-screen Drawing, Frame Buffer Effect, Frame Buffer Upload. C'est les 3 seuls que j'ai en mode OpenGL. J'en ai 4. Bon, bah ouais, parce que t'as le Direct 3D. Advanced Blending, il est sur 0 None. Soit il fait Software, ça fait Slower and Glitches. 2, c'est Hardware Fast, Not All Cards Support It. C'est quoi? Je vais télécharger rapidement le plugin en Direct 3D de Pix. Je vais voir. Il y a peut-être RAM. Effect init de FVP. Alors, au cas où, si vous voulez le lien, je vais mettre directement. T'as toujours sur le Twitch de Brescas, non? Non, c'est fini là, c'est. D'accord, bah je le poste sur Mumble alors. Moi j'ai même pas. Voilà, c'est le site officiel de PITS. Donc là, si vous savez où est le dossier EPSXE, vous pouvez manuellement mettre à jour les plugins. Ouais, oh, t'as pas de texture arrière. Ah non, vous avez configuré comment le truc? Attends, je vais faire des essais. Ah, mes yeux! Speed up with MDEC. Non, c'est la fatigue, hein, c'est mes yeux. C'est quoi le lien que t'as envoyé en fait? Le lien que j'ai envoyé, c'est le site officiel de PITS. Et au jour d'aujourd'hui, le Direct 3D n'est plus du tout mis à jour. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mal de dire ça. Ah, dis-moi. C'est mal de dire au jour d'aujourd'hui. J'ai pas compris, là. Au jour d'aujourd'hui, c'est une faute de français. Oui, bon. Je suis fatigué, moi aussi. À ce jour du jour d'aujourd'hui, c'est un peu pareil, quoi. Tu veux dire?